Re YouTube, bon on est reparti sur Outer Wilds. On vient de... Oh là! La lune quantique qui est vraiment à côté quoi. On vient de... Ah, t'as eu une nouvelle notif. Nouvelle notif de quoi? Alors... Pièce remplie de carrousel de diapositives brûlées empilées à côté d'un appareil étrange. J'ai trouvé un carrousel de diapositives caché qui montre un récipient contenant un symbole lumineux en train d'être rempli, en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes. Elle emporte le récipient dans un puits obscur. Les lumières sont éteintes. Oh, me dis pas qu'il faut faire des parties du jeu en lumière éteinte. J'ai une nouvelle note. Genre, tu es en live, genre 4 secondes avant que tu reviennes. D'accord. Le carrousel que j'ai trouvé dans la pièce d'incinération de diapositives montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un puits obscur. Ils utilisent beaucoup trop le mot obscur, je trouve. Tour. Habitants de l'étranger en train d'ouvrir un passage secret dans une pièce circulaire décorée de lanternes. Oui, mais ça, j'ai déjà fait. Déjà fait. Voilà, qui montre une explosion créant un trou dans le flanc de l'étranger. Un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. Temple abandonné. Comportant le symbole d'un carrousel de diapositives en train de brûler et accessible grâce à un passage dans la gorge cachée. Il y a une interface à l'étage qui permet d'aligner les symboles selon une séquence verticale. Ah, faudrait peut-être que je retourne là. Rabia, tu bois pas dans mon truc. Oh. Tu viens d'aller boire de l'eau croupie dehors là. C'est bon? Il y a sûrement une raison obscure à l'usage intensif de ce mot. Ouais, j'ai l'impression que ça veut dire. Eh? T'as vu? Faut y aller dans le noir? J'ai pas envie d'aller dans le noir. Oups. Ah bah, merde, j'avais pas éteint. Oh, je sais pas. J'ai crashé. Je sais pas si vous avez vu, ça fera un clip, c'est super. Il y a un truc qui est parti. Bon, c'est pas pire que Rabia qui vomit. Ah, mais merde, j'intervertis. Bon. Ah par contre j'ai pas trouvé parce que là vous voyez pièce d'incinération de diapo là pièce d'incinération de diapo et là voilà, j'ai pas trouvé et a priori il y a une pièce d'incinération de diapo à chaque fois ah vous voyez donc est-ce que est-ce qu'il y aurait-il pas aussi ici une pièce d'incinération de diapo? Parce que là, passage secret. Là, passage secret. Donc là, sûrement passage secret. Et là, probablement passage secret aussi. Donc on va retourner là, au tout début. Le premier truc qu'on avait fait. Et on va essayer de trouver le truc secret quoi. Maintenant qu'on est un peu meilleur là.
Ouah. Faudrait voir aussi pour cette histoire de... De trou dans le flanc là. Est-ce que Christou ça te dit quelque chose? Cette histoire de trou dans le flanc ou pas? Mieux vaut que non. Ok. Alors. Donc. Là, c'est là où on chope le truc bizarre. On arrive là. Là, c'est les gens chelous. Non, c'était pas là? Merde. Bah. Ah, c'était là. Je suis jamais allé ici? Peut-être pas, hein. Lui il cache avec sa main là, vire ta main toi. Bon. Ah mais ça ressemble au truc chelou où on met les diapos là. Ils sont bizarres les gens. Aïe, bon, j'ai visé à côté. Alors, c'est pas là. Nous avons quoi? Des gens bizarres. Là on a quoi? On a juste ça pour redescendre. Là, il y a des trous dans le plancher. Salut Daphnes. Heureux. Je les ai regardés ceux-là. Hein. Petit moment de doute là, mais oui. Ça avance. J'ai trouvé des pièces secrètes un peu partout, mais
Et voilà, c'est mon ordinateur de bord qui avance, mais moi derrière ça m'avance pas des masses. Parce qu'honnêtement, ça me parle pas trop ce que j'ai trouvé. Mais voilà, l'ordinateur de bord avance. J'avais jamais vu le barrage de ce côté-là. Ils avaient quand même inventé les pires portes. Hein. Et ça, c'est ce qui m'amène. Voilà. Ah, attendez, est-ce qu'il y a des... que des passages secrets, oui, comme là-bas. Mais c'est juste des grandes pièces vides, ok. Ça ne me donne rien. D'accord. Donc voilà, j'avance sur des trucs, mais merde. Mais je suis toujours autant paumé dans ma tête, quoi. Attendez, si j'ouvre la porte là. Non, bah non. Je peux pas. J'allais dire, si j'ouvre la porte ici, y a toute l'eau à pouvoir s'en aller. Comment ça va déborder? Mais non. Mais non, mais non. Donc. C'est bien mignon, mais j'ai pas trouvé de passage secret ici. Hein. Dans ce premier village là. Je me demande du coup s'il y a un truc secret quoi ou pas. Je me pose la question. Y a-t-il du passage secret? Je ne sais toujours pas à quoi servent les... Les outils spéciaux là. Les artefacts. Ah, le moment où je vais comprendre ce truc là. Je pense que ça va offrir beaucoup de possibilités en fait. Merde, 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 merde. Je suis en train de crever. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis pas en forme de coup. Hein. Les fameux. Attendez. Je continue là-bas, ça marche. Vas-y, on peut faire ça avec.
Attendez, eux ils sont comment là? C'est ouvert. Qu'est-ce que pourquoi? Ça me redonne de la santé, non. Ah! Je rentre dans son sprite, quoi. Soit de la peau, ça pourrait t'aider. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Y'a déjà Blacky qui est puni là. Ah, je vais pas punir tout le monde quand même. C'est quoi là? J'avais pas fait gaffe à la peinture là dessus. Je suis assez haut là je crois. Hein. Dans le doute. J'ai trouvé les cums là-haut. Là, les cums, je les ai trouvés aussi. Je suis paumé. La première fois j'ai trouvé du premier coup. Ouais. Ah, t'es déconné hein. C'était quoi ici? Je l'ai regardé ou pas ça? Merde, j'ai un doute. Est-ce que je l'ai vu celui-là? Et là j'arrive là. Ah, ça marche plus. C'est lequel celui-là? Parce que là, c'est la tour là où je suis. Ça, la grotte, c'est celui que j'ai découvert hier qui est derrière par là, là. Non, par là. Ouais, voilà. De toute façon, il y a les symboles, non?
Ah non, c'est les symboles des arbres à chaque fois. Ah bah celui-là, c'est celui du début. Ouais, moi. Les artefacts. Quoi ils servent? Qui sont-ils? Les artefacts, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Je l'ai vu lui ou pas? Je sais plus si je l'ai vu. Bon, je pense, il n'y a pas de raison que je l'ai pas vu, quoi. Est-ce que ça va me dire quelque chose? Regardez, je vais le mettre dedans. Ah, peut-être pas, hein. Tellement de puits de carburant, quoi. Tellement la dèche niveau carburant. Ok. Maintenant on va utiliser l'oxygène pour comme carburant. Alors. Ok, ça c'est les différents lieux, ça. Attendez. Le machin, il est fermé, là. Quand ils rentrent avec leur bazar, là, ils sont fermés. Attendez, là. Il y a une lanterne. Et là après il vient avec son machin, là, et là le truc est fermé. Ils ont capturé du feu quelque part. Ah bah oui forcément je vole moins bien. Hein. Je vole tellement moins bien avec l'oxygène, quoi. C'est ok dans l'espace, mais sur Terre, ça marche pas. Bah oui, j'ai une recharge là, je suis con. Bah voilà. Ravitaillède. Je suis ravitaillède. Allons là-bas. Pourquoi je ne sais pas, mais allons-y. Allez, à droite toute. Ah merde, il y a le câble électrique. Adonf à droite, Adonf à droite. Oh merde. Oh j'ai chié. Où j'y suis allé là? Ah merde, c'est la fin de... La fin de ma boucle.
Ah mais c'est là ? C'est là qu'on charge les... Ah ouais. C'est là qu'on charge les... Les bazars. Ah le mec. Le mec qui est pas clair quoi. Mais ouais, regardez, il y a le symbole avec les petites flammes et tout. Ah non, c'est... oui, non, mais c'est la flamme qui a servi à cramer tout, en fait. Oh, je sais pas. Allez, meurs. Voilà. C'était une fin de boucle, de toute façon, donc... Alors, attendez, faut que j'aille là. Faut que je passe par derrière. Et après, il y a... Après, il y a le chemin à travers la montagne. Mais avec le... Avec la matière fantôme. Donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe à la matière fantôme. Je crois que j'ai rien trouvé là. Sur cette boucle là. C'est l'une des rares boucles où j'ai rien trouvé, je pense. Ah, y'a rien eu. Hein. J'ai rien eu. Allez, on va à l'étranger. On va à l'étranger. Vous voulez dans quel pays à l'étranger là? Bam 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 bam. Alors. Donc là, je sais qu'il y a un raccourci vers le... Vers le barrage à gauche, là. Alors. On pousse notre machin. On grimpe dedans. On allume le feu. Ah vous voyez, il y a le panneau qui dit... Il y a le machin avec des flammes. Ok. Donc, on va en chercher un. Hop, vous voyez. On en prend un. Paf. Artefact. Ensuite, on regrimpe notre radeau. La speedrun de radeau. Speed de l'ONU. Et là, ça va être à droite toute là. Droite. Yes.
Ensuite là faut bien viser. Pour arriver dans le machin. Hop. Il nous embarque. Qu'est-ce qu'il disait le machin? Il y a un statut d'arbre là. Imposant. Y'a pas un truc là où il nous parlait d'un arbre imposant là? C'est pas lui l'arbre imposant? Peut-être. Maybe. Ici nous avons encore des petits gars là qui se baladent avec leurs flamèches là. Là je suis allé dans le blocos là tout à l'heure, j'ai trouvé le petit passage secret. Ah, j'avais demandé si j'étais déjà allé en dessous, mais oui. Qu'on peut y aller tout simplement comme ça. Là, il y a une porte. Ah, là, il y a une porte. Mais oui, je me rappelle. Comment on fait pour rentrer? Je vais pour y aller. Faut remettre le courant, c'est ça? Suivre les câbles électriques et puis il faut remettre le courant partout. Regarde des câbles électriques. Est-ce qu'il a l'air électrifié lui? Pas du tout. Mais je l'ai fait tout à l'heure ça en plus. Oh, je suis nul. Je suis nul. Tac. Lancer le gator. C'est pas là. Voilà, c'est ouvert. Et est-ce qu'on va avoir remis du courant? Est-ce qu'il y a un truc où on peut remettre du courant là-dedans? Non, il y a juste ça.
Ouais, non, y a rien. Y a rien pour remettre du courant dans le bâtiment, quoi. Non, il y a bien un câble électrique qui part. Bon, allez. Pas ça qu'on voulait faire. Ça qu'on voulait faire. Alors là, on part à droite. Non, là, on part à gauche. Là, on part à droite. C'est gauche puis droite, ok. Donc là tout est pété. Ah alors. Vous pensez que c'est le même est-ce que c'est le même code que tout à l'heure? Soleil, moi flamme. Pas ça. A priori, c'est pas loin. A priori, il faut que je trouve pas loin. Le code. C'est pas le code. On arrive là. Putain, le code doit pas être très loin, quoi. Sur l'autre truc comme ça, on l'a trouvé à côté, quoi. On le voit sur l'une des diapos. Ça se trouve, on le voit sur une des diapos. Ou alors j'essaye toutes les combinaisons possibles. On y passe 6 mois, mais j'essaye toutes les combinaisons. Là, ils sont vénères, ils ont tout pété. Ça en fait combien? Je sais pas, il y a combien de. Il y a combien de symboles en tout? Il y en a combien? 1, 2, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 8 puissance 5. Combien ça? 8 puissance 5. Ça doit commencer à faire un paquet, non? Attendez, si je mettais pause. Si je mettais pause, ça éviterait. Elle est où la calculatrice? Là.
8 puissance 5. 32 768 possibilités. Voilà. 32 000 choix. C'est faisable, hein? Si on s'y met maintenant. Si on s'y met maintenant, on peut y arriver. Attendez, je prends la lanterne. Je vais aller de l'autre côté là. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui aurait oublié de cacher le code sur les... Bon là c'est nul ça. Ça c'est nul, ça me sert à rien. Vous savez, c'est comme les services de renseignement quand ils ont des reportages sur TF1 et que... ils oublient de cacher les mots de passe qui sont affichés sur le tableau blanc derrière. Ah mais je suis sûr qu'il y a un lieu de diapo où il y avait un mec avec une tablette. Et ça se trouve c'était dessus en fait. C'est une fois qu'ils s'endorment. C'est une fois qu'ils s'endorment que le... que la petite flamme s'allume. Ah oh, mais c'était sur quel diapo où il y avait le mec avec sa tablette là? Comment... non mais comment je peux m'en rappeler quoi? J'ai pas me retaper toutes les diapos quand même. Une diapo d'à côté là. Hop. Ça serait la diapo cachée. Ah puis il y a ce système là, je sais pas aussi à quoi ça sert là. Ce machin étrange là. Hop. File-moi ça, toi. Là, ça se ferme. Donc, je pose. Je mets mon getter. Là. Là, je remonte. Parfait, on arrive dans cette pièce-là. On va prier pour que ce soit lui. Hein. Allez, montre-moi le mec. Avec sa tablette. C'était ça en fait. C'est ça que j'avais en tête comme tablette, mais on voit rien dessus quoi. Mais vraiment, il marche dans le vide quoi.
Attendez. C'est où? C'est où? Il y a la guinguette. Une guinguette, il y a un arbre, il y a des arbres en face. Je sais pas si ça m'aide vraiment. Hein. Là, je me retrouve comme un con avec ce truc là. Mais non, referme pas la porte. Oh. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les potales, le soleil. Oh mais il lâche l'artefact. Non, les symboles correspondent pas quoi. Tous les symboles que je peux voir là, dans la pièce, correspondent pas quoi. Là, il y a ça. Et derrière, il y a autre chose. On voit des... On voit des chaînes en métal derrière. Là, il y a les chouettes cerfs-loups, là. Voilà, faudrait que je tourne en face. Est-ce qu'en face, il y a... Il y a les symboles, quoi. Non, a priori c'était pas là. Qu'est-ce que c'était là? Attendez, là on a quoi? Il y en a qui ont des bracelets, il y en a qui ont pas de bracelets. C'est déjà la fin? Bah ouais. What?
What, c'est quoi ces conneries? Ouais non c'est rien en fait. Bah si, y'a autre chose. Ah non mais c'est la sortie, je suis con. Bah oui. Ah le mec il commence à chercher des trucs en fait. Non mais non, c'est juste la sortie. Ouais, je vais me refaire un tour de... d'ordinateur de bord. Avec tout ce que j'ai trouvé. Histoire de repartir sur des bonnes bases là. Parce que... là je suis en train de... je suis en train de me paumer là. J'essaie de trouver des trucs mais... ah, y a pas des symboles là. je regarde vraiment partout quoi. Parlons peu, parlons bien. On sait que les codes, enfin l'autre code que j'ai trouvé, il se trouvait sur une tablette pas très loin. Il y avait une tablette et il y avait les symboles qui étaient alignés. Il y a aussi le fait que il y a une brèche. Il y a une brèche quelque part. Donc la tour, ça c'est fait. On peut être l'origine attriée de nos mailles, on est d'accord. Le réservoir. Un énorme réservoir avec des bâtiments et des jetés en bois sur chaque rive. J'ai trouvé une pièce avec une interface de contrôle brûlée et une projection semblant indiquer une connexion brisée entre l'étranger et un autre vaisseau. Trouver une projection montrant l'étranger en train de se préparer à évacuer le système solaire. Le carrousel de diapositive montrant une étoffe montrant un coffre étrange en train d'être encastré dans une large structure métallique avant d'être plongé sous la surface. Ça, je sais où il est. La quasi-totalité des diapositives ont été brûlées et ne peuvent pas être visionnées. Ok. La structure. Une large structure métallique suspendue par des chaînes. On peut y accéder à la nage en passant par en dessous. Il y a un coffre scellé illuminé par un feu vert à l'intérieur de la structure. Trouve un coffre étrange enveloppé de chaînes comportant trois symboles lumineux. Le carrousel de diapositives des plaines fluviales m'a montré un coffre étrange en train d'être fermé et scellé avec des chaînes et un symbole lumineux. Un carrousel de diapositives des îles cendrées m'a montré un symbole lumineux et des chaînes apparaître autour d'un coffre étrange. Ah bon ça, ok, j'ai. Région de basse altitude, à près de l'entrée de l'étranger. Il y a des habitations en bois le long des berges du fleuve. J'ai trouvé plusieurs artefacts métalliques ouvragés dans un atelier entouré de matières fantômes. Le carrousel de diapositives montrant l'origine de l'étranger et de ses habitants. Plusieurs diapositives ont été brûlées et peuvent pas être visionnées. Ce qui m'étonne par contre sur ces deux-là, c'est que j'ai pas le la pièce d'incinération de diapositives. Là, je les ai pas trouvées. La tour de l'île. Tour qui domine l'une des îles cendrées. Les étages supérieurs ne sont accessibles que par une deuxième entrée située à l'arrière de la tour. J'ai trouvé un carrousel de diapositives montrant les habitants de l'étranger en train d'ouvrir un passage secret dans une pièce circulaire. Décoré de lanternes et de peintures murales. On peut voir les étrangers entrer en file indienne dans trois pièces comme celle-ci sur l'étranger. Ces pièces-là, je les ai trouvées. Deux petites îles rocheuses reliées par un village de maisons sur pilotis. J'ai trouvé un imposant symbole métallique représentant l'œil de l'univers dans un bâtiment détruit par les flammes. Ça, on a vu. Carrousel diapositive montrant les habitants d'étranger en train d'analyser l'œil de l'univers. Plusieurs diapositives ont été brûlées et peuvent pas être visionnées. Une pièce remplie de carrousel de diapositives brûlées, empilées à côté d'un appareil étrange.
Effectivement, l'appareil, je sais pas à quoi il sert. J'ai trouvé un carrousel de diapositives caché qui montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un puits obscur. Le carrousel que j'ai trouvé dans la pièce d'incinération de diapositives montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les pièces sont éteintes et elle emporte le récipient obscur. Le récipient dans un puits obscur. Là, diapositive que j'ai trouvé dans la pièce d'incinération de diapositives montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret caché derrière une peinture murale en présent un arbre imposant. Le temple abandonné. Le temple abandonné comportant le symbole d'un carrousel de diapositives en train de brûler. Il est accessible grâce à un passage dans la gorge cachée, ça j'ai trouvé. Et une interface à l'étage qui permet d'aligner les symboles selon une séquence verticale. Ça c'est bon aussi. Une pièce remplie de carrousel de diapositives brûlées, empilées à côté d'un appareil étrange. J'ai trouvé un carrousel de diapositives caché qui montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret. Ouais, c'est ce que je viens de lire. Carrousel de diapositives montrant les habitants de l'étranger en train de se rassembler autour d'un étrange feu vert. Leurs diapositives ont été brûlées, peuvent pas être visionnées. Une gorge étroite longeant l'embranchement le plus à droite du fleuve. Il y a des habitations construites en hauteur sur les deux parois de la falaise. La brèche, j'ai trouvé un carrousel de diapositives dans la gorge cachée qui montre une explosion créant un trou dans le flanc de l'étranger. Prend un trou dans le flanc de l'étranger. Faudrait que je voie les diapos en fait, non? Ah ouais, mais alors le flanc sur un truc qui ressemble à un donut, vas-y, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'endroit où j'étais, quoi. La brèche. Faudrait que je la revoie, ça, en fait. Je vais y retourner, je vais essayer de retrouver toutes les diapos. Mais je viens pas de me les refaire toutes les diapos en plus. En plus je viens toutes me les faire les diapos. Non? Oh là, je sais plus où est-ce. C'est un des trucs chiants dans le jeu. C'est on peut pas revoir ce qu'on a déjà vu, quoi. Alors effectivement c'est RP. Mais ça aide pas quoi. Ça aide vraiment pas à s'en sortir quoi. Backseat 42. Merci le ciel. Ton aide m'est évidemment précieuse. Allez, on y retourne. Si vous voyez un... une peinture d'arbre, vous me dites, hein. Vous me dites vu. Si vous voyez une grosse peinture d'arbre impressionnant, vous me dites vu. Non mais il y a des peintures d'arbre partout quoi.
que le jeu serait pas en train de se foutre de ma gueule. Mais avance par là. La speedrun de la cascade là. La 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 la. Là on a les câbles électriques là. Bon, la brèche. On va retrouver. Il y a un truc en bas là. Il y a un truc en bas là. Ah mais non, là c'est le truc pour repartir. Oh, je me suis fait baiser. Je me suis bien fait baiser là. Non, reviens. Oh, heureusement il s'est coincé. Et là-bas, il n'y a pas un truc aussi, là? Là en bas. Okay. Salut chez JD. Attendez. Là-bas, là. Remonte le courant. Non, en fait, en plus, c'est la texture qui donne l'impression qu'il y a quelque chose, mais en fait, pas du tout. Super. Bon, on va encore remonter là-haut. Pour la 50e fois. Et arriver. Ça va et toi? Aussi, tu t'es fait avoir. En même temps, on croit vraiment l'impression. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a un trou, en fait, mais non, pas du tout. Je suis venu là pourquoi? Ah oui, pour voir les diapos. Putain, j'avais déjà oublié. Donc cela c'est pété. Là c'est pété. T'as eu des places pour aller voir Top Secret. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Mais tant mieux. Quelque chose que, si c'est quelque chose que tu avais envie d'aller voir. C'est un groupe de tambour suisse. Oh, c'est spécifique quand même. Hein. Je pouvais pas deviner. Hein. Clairement ça je pouvais pas deviner. Donc là. Là c'est pété. Là ça vibre. Il va vraiment falloir que je trouve pourquoi ça vibre à un moment. À un moment, on entend un bruit métallique. Puis ça vibre. Il y a le nom d'un James Bond, mais pas du tout. Juste Top Secret. Ça fait un peu court pour un nom de James Bond, mais...
Attendez, il faut que je récupère une loupiote là. La loupiote, la loupiote. C'est quoi les deux autres là? Je les ai regardés ceux-là, non? Ah oui, je les ai regardés. Mais non, mais il n'y a rien qui explose en plus là-dedans. Qu'est-ce que j'ai vu qui explosait là-dedans? Y'a rien. Attendez, je regarde. Tac. Y'a machin là qui met sa ceinture. Bravo. Ok, super. Ensuite. Et la porte est planquée en plus ici, hein. Le passage secret, ça ouvre une porte ici, mais la porte est planquée. Alors, tac. Prends ça, par pitié. Là, il pleure. Là, ils se mettent dans leur truc et ils font leur roupillon, là. Donc, c'était pas celui-là que j'ai vu. Là, il y a un artefact. Je commence à être fatigué ce soir. je perds patience. Là, le truc secret, là, je suis allé le revoir, il n'y a rien dedans. Là, c'est bien le machin pour repartir, on est d'accord. Là, j'ai rien sous les escaliers. Envoyer du lourd un groupe de full percu. Ça revient surtout en direct. À chaque fois, ils jouent aux majorettes avec leurs baguettes. Et moi, comme un con, j'entends quelque chose. J'attends qu'une... Attends, j'attends qu'une chose, c'est qu'il les fasse tomber. Je vois, tu, ils les font tourner comme ça. Pendant qu'ils jouent, oui, non, c'est... y a des batteurs qui font ça aussi. C'est toujours assez impressionnant de... Ils ont le temps de jouer avec leurs baguettes. Et là, j'ai pas d'infos, là. Là, j'ai pas d'infos, j'ai juste les câbles électriques qui arrivent. Pourquoi la lumière elle marche pas là? Il les lance et les échange aussi. Juste les faire tourner, c'est trop banal pour les Suisses. Oh bah je sais plus c'est quel diapo j'ai vu où il disait que ça faisait tout péter. Hein. Je me retrouve un peu con là. J'arrive. Hop hop hop. On ne fait pas de...
Pas de racisme anti-belge ici. Là, je récupérais quoi? Je sais même pas ce que je sais même plus ce que je récupère ici. Bon, on y retourne. Gauche puis droite. À gauche, à droite. M'asseoir, c'est France-Belgique à télé, ça va être la guerre. France-Belgique. C'est quoi comme compétition ça, France-Belgique? Une compétition de quoi? Demi-finale de Ligue des Nations, je crois. Une compétition de quoi? Du foot? Dégueulasse. Et là, regardez, là, il y a un truc, là. Y a un truc, là, derrière. Derrière le paravent? Me dites pas que c'est derrière le paravent. Non. Peut-être de la pelote basque, exactement. Ou une compétition de macramé, je sais pas. Pourquoi il y a ça? Ça me bloque même pas la lumière, quoi. Ça me bloque même pas la lumière, quoi. Là, tout est pété. Puis vu qu'il y a des trucs qui doivent être faits à certains moments et tout. En fait, je suis en train de me demander si c'est pas juste le fait que je regarde pas au bon endroit ou au bon moment quoi. Est-ce que c'est... En train de me demander parce qu'il y en a un qui est planqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas un... Ah c'est ouais, puis ces trucs là, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est ça. Hein. On peut mettre des On peut mettre des machins dedans, mais après... À quoi que c'est que ça sert? Aucune idée. Vous voyez, là, la porte, elle est bien planquée, en fait. Hein. Ça fait du bois, et donc, quand on est de l'autre côté, on n'a pas l'impression. Je vais prendre... Regardez, je vais prendre ça. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Carrousel de diapo.
peut le mettre là. Mais à quoi ça sert? Hein? Ouais non, c'est juste le... C'est juste les lumières qui bug, je pense. Non, ça fait pas de son. Merde, j'ai pas récupéré le truc, je suis con. On peut pas passer, hein. Plutôt bien fait, hein. Et puis on voit rien de particulier quoi. Là, il en manque des diapos. Je crois que j'ai déjà mis dans la machine. Ça va être la fin. Bon, on n'avance pas. On n'avance pas. J'ai loupé les trucs ici? Non, bah non. On peut pas les mettre les uns sur les autres. Hein. On peut pas les combiner.
peut pas les combiner. C'est rigolo, ça reste lumineux ça. Même dans le noir. On voit des trucs. Je peux voir des choses d'ici. Oui. Bon allez, on va arrêter par là pour aujourd'hui. J'ai bien avancé sur la première partie, là la deuxième j'ai strictement rien fait. Hein. C'est une cata. On va voir si... si le repos me donne des idées. Voilà, déjà des bisous YouTube, à la prochaine.